Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous nous suivez depuis la Belgique, depuis la France, depuis le Canada, vous nous suivez depuis les États-Unis, vous nous suivez depuis Congo-Kinshasa, depuis le Maroc, depuis Congo-Brazzaville, depuis le Lubumbashi. Nous vous disons bonjour, bienvenue sur votre télévision du peuple, une télévision qui a toujours été à proximité du peuple congolais, une télévision qui vous a toujours informé du vécu quotidien du peuple congolais. Aujourd'hui, nous venons avec une très bonne nouvelle, et celle de la libération de celui qu'on a toujours souhaité voir libre, un homme libre, le colonel Eddy Kapenzi. Eh bien, le colonel Eddy Kapenzi est libre aujourd'hui. Moi-même, en personne, j'étais à la prison de Makala. Il a obtenu sa libération, il a obtenu son certificat de libération. Parce que les gens utilisaient souvent pourquoi Eddy Kapenzi, chef de l'État, l'obati le 31 ans, qu'il a obtenu une grâce présidentielle, pourquoi a-t-il toujours libéré. Non, mesdames et messieurs, vous devez comprendre quelque chose. Il fallait d'abord passer ou procéder par ce qu'on appelle une procédure administrative où il fallait balancer la yango par le vice-ministre de la justice. Et voilà, aujourd'hui, Eddy Kapenzi est maintenant libre. Il a été avec sa famille à la prison de Makala. Moi-même, en personne, en tant que journaliste, j'étais présent et pour assister à ces phénoménal événements, qui a SMP d'époustoufler, mais aussi de mettre le peuple congolais dans une enthousiaste énorme. C'est une allégresse pour tous les Congolais aujourd'hui. Tout le monde dit qu'Apendi a libéré, même camarade Naye ou Bazala qui arrêté, comme le disent les gens, injustement. Nous laisserons plus tard Tango à tenir conférence de presse Naye comme il l'a prédit depuis longtemps. Et je pense qu'il aura des émissions à passer, Pétokolo Kamoyen, à quoi atteindre Eddy Kapenzi avec le temps. Toyeba, Nini Akoloba, après conférence de presse Naye, peut-être dans la chance à retourner dans l'émission, Pétoko faire comprendre Bino, Oyo, Eddy Kapenzi, Akolobela, un peuple congolais. Bino Mokobo Ebi. C'est depuis après la mort de Moïse Laurent de Ré Kabila qui est Eddy Kapenzi na Kangamaka, le cola assassin qui est Ndé Mutabomaka, Laurent de Ré Kabila, notre ex-président de la République, que son nom repose en paix, et voilà. Même ses camarades ont été tous arrêtés pour meurtre, pour assassinat. Aujourd'hui, ils ont obtenu une liberté par voie d'une grâce présidentielle faite par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà des bonnes actions qu'on attendait depuis longtemps. Lors, tant que Kazubu Konzi, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Bino Mokobobona, Kindengi, Asala qui est fort, Moïse Katumbi Tshapwe, Azonga Kimboka, il y a Franck Diongo qui a été alpagué par le régime précédent, Franck Diongo aussi Azoki Liberté, Abimaki Nakata Prison, il y a les pionniers du Katanga, Jean-Claude Muyambo Kassa, qui d'ailleurs je salue en passant, voilà. Il a aussi été libéré par Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a aussi Moussa Nyamouzi qui a aussi rien le pays, il est tous en exil. Mais depuis que Tshisekedi Félix Azoki Bokonzi, Bino Mokobo Monaki, Azongaki Mbokape, Kokati Kosunga Félix, Naba Action Yonso, Félix Tshisekedi Asakosa. Vous voyez des actions que le peuple congolais attend souvent. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un geste à applaudir. C'est un geste qu'il faut en tout cas. En tant que des ovations terribles de fleurs, raison laquelle moi, je ne resterai jamais bouche bée à ce genre d'acte, à ce genre d'action, à ce genre d'œuvre que le chef de l'État est en train de faire. Donc, nous disons en tout cas grand merci au chef de l'État pour la libération. Il y a Eddy Kapenzi, Bino Mokobo Monaki, famille Naïs avec sur place. Camarade Naïba Saki sur place, et il y avait beaucoup de journalistes sur place à la prison chantante de Makala pour assister à l'événement Oyo. Il fallait pas les canaux procédure administrative. Il y a sous étape finale les Aïkindé Lilo. Alors ils ont obtenu tous leur certificat de sortie. Je pense que bientôt là, Tokoluka Bango pour Nako Sanala Bango et quelques émissions. Ce qui va permettre Bissot. En tout cas, merci beaucoup, chef de l'État.
Merci beaucoup, Nabanandinho, sur la TV du peuple. Bino moko pour comprendre. Et c'est un peuple congolais, Azana Yango, la Mokolo Yalelo, par rapport à la libération, ya Eddie Kapend. Nous allons encore parler de l'Union Sacrée. Vous savez bien le bien que Moïse Katumbi et Bemba sont déjà ici, appelés par Félix Tshisekedi pour la Kosolo, la Likambo, Oyo, Italie, primature, l'Assemblée nationale, selon Nigma de Koloba. Tenant, Moïse Katumbi s'est député menacé de quitter l'Union Sacrée. Non, il ne menaçait pas de quitter le navire, non. Et le navire, non, ce n'est pas ça. Sauf qu'il y avait des tractations par rapport au faux compte Twitter. Au Batwanda Kolobano, Mindonzangi Alobiboe, au Bouenaboué Guiloué, Ndolobiboué, ainsi de suite. Non. Ce député, basé sur l'objectif Moko, il a pris un retard où il a une réforme électorale, Marmarotala, cour constitutionnelle, les Cambois Séni et autres. Les Cambois Est, ils avaient évoqué dans leur cahier de charges. Bon, en fait, leur souci était que le cahier de charges de Bangouz a la prise en compte dans son entièreté. Non, ce n'est pas ça. Le cahier de charges, bon, tu copies ça, Yango. Vous avez mon côté, vous adhérez à l'Union Sacrée, non. Vous avez ébélé, vous avez Bazawana, Bim Bazawana, avec sa troupe, Moïse Katumbi, le Mava, Azawana, Bino, la troupe, troupe Naye, il y a le parti Pena, Bélé, il y a Kungwa Kumaza, Jean-Claude Moyambo, voilà. Ils sont là, ils sont vraiment nombreux, vous adhérez à l'Union Sacrée, mais que cela ne tienne de se comprendre, de parler en tant que frère, vous voyez comment. Kosukisa ou encore Kosili Salikambouana pour n'abonner mon peuple congolais parce que chef de l'État fait ce qui dit Moutounion soyez bien qui a ambition malam pour n'abonner cannabiso à zana ba initiative y a bien à zana ba idée y a bien pour n'abonner sambo cannabiso bon tout le monde est sous des moutons. Sur le mouton de 31, bah, il nous cura qui est encore. Binomo Bouni de Bonhomme, embouteillage Sili. Sosimax, embouteillage Sili. Il y a aussi, on a 24. Voilà, il n'y a plus d'embouteillage. Alors, il reste que, oh, il y a Pascal, donc du côté Mokali, route Mokali, mais aussi, il y a Bitabe aussi. Il faut, bah, il va comment que Sili Sayango pour que l'embouteillage, il y a aussi là, afin que les routes soient décongestionnées. En tout cas, ce sont des œuvres que le peuple congolais attend. Je pense qu'il y en a 3 ans. Il était calé chef de l'État à cause de ce souci à Minéné, tout ça posé là. Suite, il y a Union Sacrée et que ce qu'on a dit, il y a un bon chef de l'État à outil qu'on nomme, à outil qu'on nomme Bartou Lukweb comme informateur et lobby à nommer. Parce que 5 personnes au bas haut qui ont accompagné Bati Lukwebo, la mission est informateur parce qu'il y a des gens qui ont identifié la majorité parlementaire. Et Tala, Moussala, Oyo, Isaac Osalama, l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu une session extraordinaire qui a été convoquée. Et au Kennedy, au mois de février, ça va faire au moins un mois pour voter bureau définitif. Et puis ils vont mettre toutes choses en place pour qu'on puisse remettre l'évolution plutôt Mboka et Mekako. Tambola, Nandengi et Singili Kotambola. Donc demain nous allons revenir pour vous informer les Cambouya 12 millions de dollars Oyoza déboursé, décaissé pour la Moussala ya session extraordinaire Oyoza qui est convoqué. Et puis, tu reçois la liste pour les Cambouya au État, le Sénat, parce que le chef de l'État, Aza, Kosenga, le président, il y a le Sénat, a convoqué une session extraordinaire, mais on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que cela s'attarde, comment est-ce que cela traîne encore, alors que le chef de l'État, déjà, Sénat, qui a depuis la semaine passée. Alors, tu as imité Aza défi contre le chef de l'État, tu Ningenini, tu imité, tu koyeba Yango, na émission, Oyo Tokosala. Pour la lobby. Portez-vous bien. Tokometina Souka. Tokosi la Boyete. Sanke Topesa. Le patron de la TV du peuple. Symphorien Kalala Balantayi depuis la Belgique. C'est bien lui qui est en train de nous chapeauter. C'est bien lui qui est en train de prendre soin de nous. En tout cas, merci beaucoup, Symphorien Balandaï, que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Nous disons encore merci à tous nos partenaires. Merci également à mon très cher caméraman Joseph Balandaï. Il y a toujours de présent, voilà. Voilà, donc nous sommes là pour vous informer. Merci, moi c'est votre serviteur Amour Bilolo. Nous nous retrouvons encore demain avec notre sujet délicat. Portez-vous bien. Merci, ciao.